Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DayZenNetwork.fr en compagnie de Mad et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Linger Island, Mad sous les tropiques. Ouais, j'ai un peu galéré, c'est parce que je suis en train de chercher la map, Linger, voilà. Ok, on est bon, on se retrouve ensemble. Alors si je dis pas de bêtises, non je vais dire une bêtise, je sais absolument plus où je suis. Est-ce que je suis à Calamar ou à Marocco? J'en sais rien, je dirais Marocco, mais voilà, c'est vraiment par le plus grand des hasards. Pourquoi je sais plus où je suis? Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas joué. J'avais enregistré mes deux derniers épisodes un peu en avance, car comme vous avez pu le voir, j'ai eu beaucoup de boulot avec les serveurs ces derniers temps. Il y avait la fermeture de Linger, l'ouverture de Utes avec le Class Manager. Donc énormément de travail, aussi beaucoup de travail sur les hackers qui m'ont donné du fil à retordre. Ah, on est à Calamar si je dis pas de bêtises. Les hackers qui m'ont donné du fil à retordre. Oh merde, vous l'avez vu celui-là? Lui, je le laisse pas sortir. C'est méchant, mais c'est décidé. J'ai une grenade sur moi? Non, j'ai pas de grenade. Donc oui, beaucoup de travail sur les hackers. J'ai dû changer d'anti-cheat. Et celui que j'ai mis en place me donne du fil à retordre, car il bannit beaucoup de monde pour rien. Voilà. Mais bon, je préfère bannir trop que pas assez, car les hackers, il y en a pas mal. Hein. Malheureusement. Alors où est-ce qu'il est? J'essaie de le localiser. Ouais, il y a pas mal de hackers. Bon, c'est un peu comme sur beaucoup de serveurs, j'ai envie de dire. DayZ Network ne déroge pas à la règle. Alors, est-ce qu'il est au premier étage ou au rez-de-chaussée? Je crois qu'il est dans les escaliers. Ok, donc ouais, beaucoup de travail sur l'anti-cheat. D'ailleurs, hein, si vous vous faites bannir sans raison, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le forum. On vous débannit très vite. Du moins, aussi vite qu'on peut. Hein. Mais bon, voilà, donc c'est un peu une phase de test, ce nouvel anti-cheat. Mais voilà, je préfère ça comme ça. Voilà, donc d'où le fait que j'ai pas joué ces derniers jours. Sinon, vous avez remarqué que je joue pas trop à Wasteland en ce moment. Vous avez beaucoup de vidéos de DayZ. Bah, c'est lié à la même chose. Hein. Tourner une vidéo de DayZ, ça me prend beaucoup moins de temps qu'une vidéo de Wasteland. Parce que mine de rien, Wasteland, j'ai beaucoup de coupures. Enfin, des coupures longues, disons. Il y a beaucoup de routes, vu que je suis en véhicule et tout. Je parcours de plus grandes distances, donc voilà. Plus de coupures. il a une arbalète. Ce serait méchant de le tuer, mais je pense pas qu'il va me laisser la vie. On va lui demander. Donc, ouais. Et du coup, vu que j'avais beaucoup de travail ces derniers temps, plus de DayZ que de Wasteland. Ah, quelqu'un qui a dit no. No friendly. Ok, madame. Allez, sors de ton trou. Ça peut nécessairement qu'être lui qui a répondu, car j'ai parlé dans le chat de proximité. Et j'ai eu qu'une réponse. Alors, soit c'est lui, soit c'est quelqu'un d'autre qui est également en proximité, ce qui m'embêterait un peu quand même. Mais on va supposer que c'est notre homme. Où est-ce qu'il est? Il s'est quand même pas déconnecté, le con. Ça, ce serait quand même méchant. J'ai plus l'impression qu'il est là. Ah! Maintenant, il dit friendly dans le chat.
je l'ai entendu, vous l'avez pas entendu, je pense. Ouais, je vais voir où en est mon son. Oula, dis donc. Cannot fire. Je vais augmenter aussi le son de la voix. Cannot fire. Alors c'est bizarre parce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a dit no. Voilà. Il avait qu'à répondre oui. Ah bah non, c'était pas lui. Tant pis. Ah merde, en plus il est français. Ah, je suis trop con. Enfin, je pense, hein, Fred le broyeur. Ça m'a l'air d'être français. Enfin bref. J'avais pas eu de réponse la première fois, donc pour moi c'est légitime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'en ai franchement aucune idée. Ce serait bien de trouver un véhicule, mais j'ai de grands doutes là-dessus. Car dans le chat, j'ai vu que quelqu'un demandait quand allait apparaître... Enfin, quand allait apparaître... quand allait être le prochain restart. Et personne n'a répondu. Donc si quelqu'un se pose la question, c'est qu'il y a du... Y avoir longtemps depuis le dernier restart, malheureusement, ce qui veut dire pas beaucoup de véhicules, pas grand chose du tout, que ce soit véhicules, épaves, des trucs comme ça, donc c'est dommage. C'est dommage. Je suis quand même allé regarder l'hélico qu'il y avait là-bas au fond, je sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là là, le petit Little Bird. Désolé, j'ai demandé dans le chat si tu étais friendly et quelqu'un a dit non, je pensais que c'était toi. Voilà. Sérieux? Oh là là. On peut pas utiliser de caractère avec des accents. Du coup... Si je continue à parler avec des accents, je vais me faire... Je vais me faire... peut-être pas kicker, mais au moins me faire... Je pourrais plus parler dans le chat. T'as intérêt à marcher cet hélico. J'ai franchement de gros doutes. Oh, et en plus c'est en pente. Vous savez, comme je me crache dès que l'hélico est en pente. Fait assez bizarre. Du coup, je me demande si mon message, il est... Oula, fuck, fuck, fuck. Je sais pas ce que c'était comme arme, j'ai pas l'habitude d'entendre ça. C'est peut-être un fusil à pompe, du coup. Vu que j'ai pas l'habitude et que je m'en sers jamais. My. Putain, il était pas loin, je l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. Ah! Yes, il est à terre. Je crois que je l'ai eu. Oh non, je l'ai pas eu. Ouf, wow, headshot le mec. Excellent. Ah, eh, c'est un beau gosse. Hein. Là, y en a... Attendez, je veux juste avoir les messages de mort qui apparaissent. Juste pour être sûr que Frankie, c'est lui et que je l'ai tué. Allez. Alors là, beau gosse, hein, j'ai vu ma tête qui a fait un petit hochement, genre le mec, genre je me suis pris une balle. Putain, brutal. Pardon pour le gros mot. Bon, le message de mort ne vient pas, c'est pas grave. Ellipse, on se retrouve tout à l'heure. Ok, c'est reparti. Y a plein de joueurs là. Je pense que je vais me faire tuer, parce qu'en fait... no French. Who's French? Mad. C'est
C'est moi, Mad, avec l'arbalète. Bon, mais on est... Là, ici, français, il fait des hochements de tête. À qui ai-je l'honneur? Tu as l'honneur en broyeur. Ah oui, je t'ai tué juste avant, désolé. T'as eu mon message avant? Même pas me venger, j'ai plus de carreau. Hein. Parce qu'en fait, j'avais demandé dans le chat si t'étais friendly et quelqu'un a répondu non, mais je savais pas si c'était toi. Enfin, je croyais que c'était la personne qui était dans le bâtiment. Et... Je suis pas friendly, c'est juste que j'avais un macaro et que je pouvais pas me défendre. Quoi. Ah, d'accord. Donc j'ai bien fait. Sinon, j'aurais essayé de te lutter. Mais tu regardes les vidéos que je fais? Ouais, ouais, grave. Ah, bah tu vas te voir dans la prochaine alors. Ah, bah c'est cool ça. Donc voilà la personne que j'ai tuée. Ah, bah d'ailleurs, c'est tes vidéos qui m'ont donné envie de rejouer sur Lingor. Je vais arrêter d'AIZ et j'ai repris un petit peu là. Bah, si tu veux, on peut jouer ensemble un peu. Attends, je suis tellement nul que je vais te donner une flèche. Voilà, on a une flèche chacun. Ah ben voilà, on va jouer avec quelqu'un. Alors, il y en a des... Alors ouais, je sais pas pourquoi, mais ici, il y a tout le temps plein de cadavres. Et du coup, j'ai tout le temps les jetons quand j'arrive ici. Alors, je suis très mauvais à l'arbalète en plus. Moi aussi, voilà, j'ai plus de flèches. Ah bah, j'ai touché, mais ça bute pas. Ah, si. On va en ville looter l'épicerie et puis tout ce qu'il y a. Bah ouais, on dit, hein. Ok, bah j'ai même un compagnon de jeu pour une fois. Et un français qui plus est. Hé hé. Alors... Je connais pas du tout le coin, donc je te suis. D'accord, je crois que c'est Sanarulco, si j'ai dis pas de bêtises. Ah, j'ai des artefacts en plus. J'en repars là-bas, je crois. Non ? Ah, bref. Rien de spécial. Hein. Dis-moi, ça te dira pour des vidéos là, j'ai un pote sur PS qui a trouvé à Little Bird. Sur cette carte? Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Donc tu dis qu'on est où là? Sanarulco. Oh mon dieu. Regardez-moi cette alien qui me court après. Alors, je vais tenter quelque chose. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Shift moins FLUSH. Activated Flush. Est-ce que ça va être mieux ou pire? Attention, suspense. Oh mon dieu, c'est pire. FLUSH. Oh là là, c'est horrible. Viens, on descend déjà jusqu'à l'épicerie. Voir si on trouve quelque chose. Et puis, il y a aussi une caserne et un bâtiment militaire. Après, s'il veut nous chercher, il peut ouais, se mettre là où on était, à l'église, là où je sais pas trop ce que c'est, ce bâtiment derrière nous. Alors, bon, ça va être un épisode un peu différent d'habitude, je pense pas qu'il y aura trop d'ellipses à partir de maintenant, vu que je joue avec quelqu'un. Oula, oula, oula. En plus, moi, je vais devoir jongler
avec mes artefacts. Ça va pas être joyeux. Putain, y a que dalle. Je parle dans quoi, moi, depuis? Ouais, vu que les gens demandent dans le chat aussi, je pense aussi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir la flèche ici? Ok. Ah, attendez. Je vais attendre mon pote quand même. Voilà. Putain, ça me gave là les artefacts. On va essayer de semer les zombies. On a même pas d'armes. On a pas de. On a que dalle. C'est un peu la misère. Ah, est-ce qu'il me suit toujours? Non, il me suit plus. Il est par là. C'est bon, il me voit maintenant? Ah non, merde. Maintenant, c'est moi qui l'ai semé. Oh. Ah, tu es là. Ok. Ah bah maintenant, il est parti. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il sait où on va. Alors, ce serait plus... Oh, il y a déjà un cadavre. Super. Donc, c'est... Oh. Putain, il faut que je fasse quelque chose pour ces artefacts. Hein. Une arbalète. À mon avis, ça veut dire que quelqu'un est venu prendre du stuff par ici. Non, t'es sérieux, là? Putain. Je sens que ça va être marrant. Ah ouais, il y a un mec qui est passé par ici, hein. Oh, voilà qui est intéressant. Il est où le... Là. Alors, bon, ben, à défaut d'autre chose, hein, donne-moi tout ça. Ah, il a un Makarov, excellent. Enfin, excellent. Tout est relatif, mais... Il a pas un sac à dos. Merci. Allez, on voit tout ça. Bon, bah, c'est pas trop mal. Ah, il y a encore un Makarov. Peut-être des balles. Elles sont mes balles de Makarov, elles sont là. Ah oui, il y en a deux. Cool. Voilà. J'ai de quoi me défendre. C'est un peu ridicule. Mais j'ai de quoi me défendre. Ah, c'est vraiment tout en plus. Hein. Ok, bon, bah, on va faire de la place. Pourquoi j'ai des flares, moi? Je sais pas où il est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? J'ai déjà vu un Stanag par là-bas, si je dis pas de bêtises. Ah, je crois que je l'ai semé, en fait. Merde. Pour une fois que j'ai joué avec quelqu'un. Chargeur d'AK. Stanag. Ah, silencieux, même. Pas mal. T'as en plus, il n'y a pas moyen de rentrer dans la case. T'as, c'est horrible, regardez-moi ça. J'attends mon taxi à l'église. Ah. Il n'y a pas moyen de rentrer ici. Hein. Putain, regarde, c'est horrible, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu ça. Enfin, si, mais généralement, ça passe. Alors, bon, vu qu'il n'y a plus rien à voir. Bah, je vais retourner à l'église. Avec un peu de chance, je vais être à l'heure pour le taxi. Je peux pas dire sinon je les tue tous parce qu'il va regarder la vidéo, il va le voir, il va dire que je suis un salaud, tout ça. Non, je le ferai pas. C'est pas mon genre. J'ai surtout pas de grenade. Ah, le gros bâtard. Non, c'est pas vrai. Non, pour une fois, quelqu'un m'a pas tué après que je l'ai tué. Ah, il y aura peut-être les crashs d'hélicoptère là-bas à voir. Ouais, non, en fait, c'est pas la peine. Si le serveur a pas restart depuis longtemps, c'est vraiment pas la peine. Voyons voir, je suis en train de réfléchir. Peut-être des trucs là-bas, il y a une épave, il y a l'air d'y avoir des trucs à côté. J'espère que c'est pas un...
un amas de... Je crois que j'entends ton hélico qui arrive. Ah, c'est un amas de déchets en fait. Qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas si vous l'entendez, vous. Ah, c'est peut-être pas un hélico, en fait. T'entends ce bruit? Ah, là, il y a un hélico qui arrive. C'est lui, ça? Ouais, c'est lui. Ok. Un petit tour dans l'église, on sait jamais. Pas qu'il y ait une M16 cachée quelque part. On a le droit de rêver, hein. Ah si, chargeur de Makarov. C'était grosse marave. Ah, c'est... ah non, il y a encore quelque chose ici. Peut-être encore un chargeur de Makarov. Hein. Ah non, une montre, ah, j'en ai déjà une. Super. Alors, ce Little Bird dispose. Il se pose tout doucement. Et il aurait... Oh là là. Alors, je vais faire une micro-coupure le temps d'essayer de me débarrasser de ces artefacts. Et voilà. Bienvenue à bord. Salut. Ouais. Salut. Ah bah voilà. Oui, il est tout bleu le monsieur. Vous croyez qu'il est malade? C'est normal que t'as le visage tout bleu. Excellent. On dirait qu'il... Ouais. Et pardon, je parlais sur PS, réflexe. Ouais, c'était pour un autre RP dans un, sur un autre serveur. Ok. Ouais, on vient d'un serveur RP. Ça, c'est beau, Linger Island, en fait, quand on regarde de haut. Ça a l'air paisible et tout. Peut-être se faire un petit perfil histoire de trouver quelque chose de correct, parce que là avec mon arbalète sans rien du tout, c'est un peu la misère. Vous me conseillez quoi comme perfil? Alors je sais pas. Au nord-est, t'as un grand airfield avec plein de choses. Ok, on va aller là alors. Alors il y a du monde sur le serveur. Et en fait, l'hélico à droite. Alors on est où sur la carte? Ah, j'ai pas de carte. Bonne nouvelle. On sait pas où je suis. C'est pas grave. Je pourrais m'éjecter. Il y en a un autre là devant là, là-bas. D'accord, il y en a trois dans le même secteur. Vas-y, bah fais des stationnaires au-dessus pour regarder s'il y a du stuff, sinon on se casse. Attends, je crois que j'ai vu quelqu'un sur la colline. Là, c'est funky quand même. On va aller faire l'autre, par les deux, déjà. Je sais pas s'il y aura du stuff. Gauche, ouais, mais je croyais qu'il y en avait un deuxième, c'est celui-là dont je te parlais. J'ai aucune idée d'où on est. Franchement, vu d'en haut, je... Je vais vous déposer en bas, là. Vu d'en haut, j'arrive à rien reconnaître. C'est dingue, hein. Ah si, peut-être.
Ouais, non, en fait, non. Je vais pas faire genre. On va pouvoir quelque chose dessus, mais on verra bien. Alors, je crois qu'on est en train de se poser. Oh my god, it's putain. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau sans mourir? J'ose pas sauter. T'as là, ça a l'air, ça a pas l'air haut pourtant. Ouais, ok, j'ai un Makarov si jamais. Il fait du bruit cet hélico. Ah, peut-être que je parle ailleurs que dans le canal véhicule. Putain, ça fait un max de bruit en fait, même quand il est super haut là. Ouais, mais j'ai franchement de gros doutes sur le fait qu'on a trouvé quelque chose. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Enfin, faut le dire vite. German or English? French motherfucker. Alors, tu crois qu'on va trouver autre chose que des zombies? Bah, je pense pas, hein. Vu que ça reboot pas, à mon avis, il n'y aura plus rien, mais bon, on peut toujours essayer. Ah là là. Alors. Je le sens super pas bien. Ah, il y a une boîte, je crois que c'est un truc médical. Ah non, enfin si. Mais il y a que dalle quoi. Où est-ce qu'il est l'hélico? J'ai pas entendu ce qu'il dit, je crois que j'ai augmenté le son de la vanne. Ouh, fuck. Bon. Voilà. Bordel. Bon allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça suffit, bordel. Ben, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.